Et salut à tous, c'est Montage 203. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler est-ce qu'on a besoin de faire de belles choses pour les autres personnes? Parce que moi par exemple, on m'a dit que comme j'avais 700 abonnés, plus de 700, merci encore à vous d'être abonné, 770 il me semble maintenant, on arrive tout doucement vers les 800, et du coup, on m'a dit que comme j'avais beaucoup de monde, enfin moi je considère pas avoir beaucoup de monde ça, mais bon, je fais ça plus pour le plaisir, quoi, je fais voilà sans plus. Et on m'a dit que comme j'avais 700 personnes qui me suivaient, eh ben je me devais d'améliorer mes vidéos. Pourquoi? Enfin déjà ce que je vais faire, je vais aller loin de ces. Okay. Pourquoi je devrais améliorer mes vidéos? En soi, ce serait une bonne chose, tu vois. Mais pourquoi je me dois, à partir d'un certain nombre d'abonnés, je me dois d'améliorer mes vidéos? Pourquoi, par exemple, un Squeezie devrait faire une vidéo belle pour les yeux, on va dire? Parce que, en soi, chacun a son avis sur la question, mais pourquoi il devrait faire une vidéo belle pour les yeux et qu'une vidéo laide, quoi? Enfin, déjà, c'est quoi cette notion de beau ou moche? Moi, perso, ce que je trouve beau, ah ben toi, tu vas peut-être pas trouver ça beau, toi. C'est. On veut me ranger dans un moule, quoi, toi. C'est comme par exemple, j'ai une prof qui privilégie justement la forme au contenu. Et ça c'est pas top. En gros, ce qu'elle fait, eh ben, elle nous fait des PowerPoint avec des images, des couleurs. T'en as, en veux-tu, en voilà, t'as des arcs-en-ciel dans tous les sens. Mais, pour au final, avoir du contenu, donc le fond, qui est pas qu'on s'en fout un peu, quoi. C'est imagine, je vais te donner un exemple. Tu vois une belle affiche avec plein de couleurs, de gros textes, limite avec une lumière autour et tout, tu vois, ça clignote de partout, pour au final que ce soit pour une affiche qui te vende un cure-dent, toi. C'est rien que ça, par exemple. Le cure-dent, tu t'en fous, toi. Certes, il va t'être utile un jour ou l'autre, mais t'en as pas besoin pour vivre dans la vie de tous les jours, toi. Eh bien, c'est la même chose pour son cours. Il y a des choses inutiles, toi. Par exemple, elle nous a fait tout un cours en nous expliquant c'était quoi Slack. Pour les non-initiés, Slack, en gros, c'est comme Discord, sauf que pour pouvoir te connecter à un compte Slack, tu dois recevoir une invitation du chef du salon, en gros, on va dire. Et c'est plus pour les professionnels, on va dire. Or que Discord fait le taf, et Discord peut même parler en vocal. Mais bon, il fait plus que le taf. Et d'ailleurs, la prof, elle nous a parlé de Slack, mais je sais même pas si elle connaît Discord, tu vois. C'est 1000 fois mieux, je trouve. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet. Pourquoi? Regarde, par exemple, là, je suis sur le serveur, là, tu le connais, Energy Gaming. Sur ce serveur, il privilégie le fond à la forme. Je m'explique. En gros, la forme, c'est. Enfin, je sais pas en fait. Ils essayent de aussi la forme. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué à dire sur ce serveur parce que c'est. Parce que tout ne va pas bien. Tu vois, par exemple, rien que le fond, des fois, si on prend par exemple comme fond qu'il y a des métiers. Ah ben, ce fond-là, ben, des fois, ils font des nerfs, nanana, tu vois. Les métiers, je disais, rien que ça,
Ah ben ils ont loupé le coche, toi. Ils font des nerfs tous les X temps et ils arrêtent pas de changer. Et à un moment, bah, tu te retrouves perdu dans les métiers et tu sais plus quoi faire parce que si tu trouves une astuce pour gagner l'argent, obligé derrière ils vont enlever cette astuce, etc. Toi. Et c'est ça le souci sur ce serveur, c'est que tu peux très bien faire on est quand là? On est en novembre. Tu peux très bien faire en novembre un métier pour qu'au final, en décembre, ah bah ce métier, soit ils l'ont enlevé, soit ils l'ont nerf, donc ça veut dire qu'ils ont diminué combien de tu gagnais, et donc tu vas te rendre compte qu'avec un autre, tu gagnes plus, donc forcément tu vas changer et tu vas vouloir faire un autre métier. Et voilà, ça c'est éternellement, à chaque fois, ils changent, et puis hop, tout le monde va sur l'autre métier, puis oh, ils se rendent compte, oh non, tout le monde a été sur l'autre, oh, faut vite le diminuer. Et puis ça diminue, ça revient sur l'autre, c'est assez compliqué. Ouais, on prend pas leur mode de fonctionnement. Mais pour en revenir au fond et à la forme, si par exemple tu arrives sur le spawn, là tu vois, la forme, elle est pas mal, elle est plutôt intéressante. Mais sur le fond, moi par exemple, je vais rarement au spawn parce que je lag, tu vois. Il y a tellement de choses que là c'est la forme qui a pris le dessus sur le fond, tu vois. Et en termes de jouabilité, là tu vois, hein, mais bon, après tu vas dire c'est peut-être ma connexion, etc. Tu l'as peut-être vu dans certaines vidéos que là, que ça fait des cassures, quoi, ça lag. Ouais, tu vas peut-être dire c'est de ma faute. Mais moi, perso, c'est... Je vois pas pourquoi il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu devrais installer Optifine. Peut-être que je l'installerai quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, toi. Mais moi, j'en ai pas besoin pour jouer, donc je vois pas pourquoi j'en aurais besoin pour faire des vidéos. Toi, le truc. Et comme je vais jamais au spawn, bah, j'en ai pas besoin, tu vois. Regarde, par exemple, là, hop, je suis à mon home, et là, toi, je lag. Mais ça passe, soit je peux aller d'un point A à un point B sans avoir de rollback. Et donc ça, c'est tant mieux. Donc il privilégie, pour moi, de ce que je vois, il privilégie la forme du spawn, toi, le lieu, que le contenu. Il n'y a pas vraiment... Ouais, tu peux aller à l'extérieur, oh, t'as des quêtes, oh, t'as des téléporteurs, oh, t'as ci, oh, t'as ça. Tu retrouves la même chose rien qu'en restant dans ta maison. Tu peux avoir, par exemple, les métiers, tu peux les avoir là, toi. Or que s'ils enlevaient cette commande métier, je suis sûr, on irait plus au spawn. Parce que faut aller au spawn pour avoir les PNJ. Mais voilà, c'était juste, j'avais envie de donner mon avis sur le fond et la forme. Donc, mets-toi ton avis en commentaire sur la question, parce que ça m'intéresse beaucoup, tu vois, on en débat en commentaire. Et puis, on se retrouvera donc pour une nouvelle vidéo sur ce qui va arriver sur la chaîne. Alors là, je vais en faire toute une vidéo. Parce que là, perso, il y a des trucs encore qui sont confus dans ma tête. Mais une fois que j'aurai tout, ce que je peux dire, c'est que il y aura donc comme à chaque fois, ça je vais pas changer. Il y aura une vidéo le dimanche sur l'autre serveur, sur Extopia. Mais j'ai envie de reprendre les vidéos sur Energy Gaming. Pourquoi je continue à faire des vidéos or que, enfin, moi je trouve qu'on est traité comme de la merde. Pourquoi je continue? Parce que déjà, moi, ouais, non, j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo, quoi.
Je vous laisse là. Si vous avez envie de voir mes anciennes vidéos, etc., vous, là, je t'affiche deux vidéos. Et puis, on se retrouve donc, soit en jeu, soit en commentaire, pour le débat est ouvert. Et on se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!